de Fabergé ou de Christophe Colomb. Moi je les sors tous du même panier. Avant de les casser, je les mire à la lumière pour voir qu'ils ne sont pas fêlés. Puis je les casse délicatement avec amour pour ne pas les crever. Pourquoi je regarde dans le blanc des yeux pour voir si les jaunes tombent bien au milieu. Pas trop rapprochés pour ne pas qu'ils se fâchent, car serait dommage de les voir se brouiller. Pour se muscler, pour être un vrai dur, il doit plonger entier dans l'eau bouillante. Assez longtemps pour ne pas être un coulant, ça me ferait une belle jambe d'en avoir un mollet. Tous les œufs sont durs à cuire, tant de cuisson rime avec perfection. Pourquoi je regarde dans le blanc des yeux pour voir si les jaunes tombent bien au milieu. Pas trop rapprochés pour ne pas qu'ils se fâchent, car serait dommage de les voir se brouiller. Ils sont en fleurs avec le mimosa, quand l'œuf dur épouse la mayonnaise. Il y en a qui préfèrent la langue de bœuf, ça vient de la bouche de l'animal. C'est dégoûtant et je préfère manger un œuf plutôt que de manger un bœuf. Pourquoi je regarde dans le blanc des yeux pour voir si les jaunes tombent bien au milieu. Pas trop rapprochés pour ne pas qu'ils se fâchent, car serait dommage de les voir se brouiller.